Encore un peu de cidre. Ah ben, je me demande si ça serait bien prudent. Manger les tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe savoir la mer. Ah oui, mais ça me... Les bulles? Oui. Ah ben, c'est la biscotte. Ah bon? Ah ben oui, ça donne des bulles. Dites-le, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes? Si. Mais non. Eh si. Donnerai la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça? Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Moi, des choux farcis, je ne ferai même pas une bouchée, moi. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Ça, donnez-nous de calvar. Ouh là là. On va faire le trou normand. Le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, messieurs. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Prenez. Hein? Hein? Oh, c'est... Donnez-moi du chou farci. Ah, vous voyez? Ah oui. Bon, ben, il est dedans, derrière ça, devant petit civalier. Bien, monsieur. Oh non! Ah, oh non, tu sais. Si. Hein? Ou alors avec un petit calva. Ah non! Avec un bon petit Beaujolais qui a du corps. Ah bon, bah faites chambrer le Beaujolais, vous. Oh, jamais, voyons. Jamais, à la température de la cave. Julien a 57. Parfait. Vous ne savez pas vivre, mon petit. Il y a que votre argent qui vit. Vous êtes un fantôme. Oh, bah, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Ah, ben bah, dites donc, il y a eu progrès. Vous allez voir. Hé, hey, ça vient le Beaujolais. Allons, allons. Allez, Hé, doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre, et puis après, il y a les profiteroles. Le jour en vitre, hein? Ouais. J'adore ça. Mais, c'est vrai, vous avez raison, je ne savais pas vivre, je ne sais pas vivre. Mais c'est bon de vivre, c'est dangereux, mais c'est bon, bon, allez, moi, ça, là, là. Eh ben, mon vieux. C'est bon, ça.